La série de données suivante représente le nombre de crackers que l'on trouve dans les boîtes de mélange pour apéritifs. Donc on a des boîtes de mélange pour apéritifs qui contiennent plusieurs types de gâteaux d'apéritifs et on compte le nombre de crackers qu'il y a dans chacune. On obtient ces données qui sont là et ce qu'on nous demande de faire c'est de ranger ces données dans l'ordre croissant puis de déterminer l'écart interquartile de la série. L'écart interquartile de la série alors on va commencer par les ranger dans l'ordre croissant. Donc pour ça, ben, je vais regarder déjà quelle est la plus petite valeur. Alors la plus petite valeur c'est un 4. Donc je vais mettre un 4. Ensuite j'ai un autre 4 qui est là. Ensuite, est-ce que j'ai un 5 Non, j'ai pas de 5. Par contre j'ai un 6 que je vais mettre ici. Ensuite j'ai un 7 qui est là. Ensuite il n'y a pas de 8, pas de 9. Par contre j'ai un 10 ici. Ensuite, j'ai ce 11 qui est là. Ensuite, il y a ce 12. Et puis ce 14. Et enfin, ce 15. Voilà. Donc là, j'ai rangé les données dans l'ordre croissant. Et puis ensuite, on va calculer l'écart interquartile. Alors, l'écart interquartile, je te rappelle, on le note traditionnellement I. Et c'est la différence entre le troisième quartile, Q3, et le premier quartile. Q1. Donc, il faut qu'on arrive à déterminer le premier quartile et le troisième quartile. Alors, on va regarder la série de données qui est ici. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 données. Donc, c'est un nombre impair. On peut tout de suite déterminer la médiane très facilement. La médiane, c'est cette valeur-là qui est au milieu de la série. Ça, c'est la médiane. Et tu vois qu'on a 4 valeurs avant et 4 valeurs après, une fois que c'est rangé dans l'ordre croissant, bien sûr. Bon voilà, ce n'est pas explicitement demandé, mais en fait c'est assez utile de le faire parce que si tu vois les choses de cette manière-là, la médiane a coupé notre série en deux parties de même taille, deux parties de même effectif. Et en fait, le premier quartile, c'est la médiane de cette série-là, ici. Donc on peut l'obtenir en faisant la moyenne des deux valeurs centrales. Ici, on a quatre valeurs, donc un nombre pair. On va prendre la moyenne de ces deux valeurs qui va nous donner le premier quartile. Q1, c'est 4 plus 6 sur 2. 4 plus 6 sur 2, ça fait 10 sur 2. Et ça fait 5. Q1 est donc égal à 5. Alors, je sais que ce n'est pas très habituel. Souvent, on te dit de faire autrement pour déterminer le premier quartile. On te dit de calculer l'effectif total divisé par 4. Donc ici, ça serait 9 divisé par 4. Et ça fait 2,25. Et là, on te dit que finalement, euh, le premier quartile, c'est une valeur qui est entre la valeur de rang 2 et la valeur de rang 3. Donc entre la deuxième et la troisième valeur. Donc entre ce 4 et ce 6. Et effectivement, ce qu'on fait là, de cette manière-là, c'est prendre la moyenne de ces deux valeurs. Donc tu vois que ça coïncide exactement. Alors on va faire la même chose pour euh, le troisième quartile. On va considérer cette partie-là de la série et on va calculer la médiane de cette série petite qui est donc le troisième quartile de la grande série, la série initiale. Donc Q3, eh c'est la moyenne de ces deux valeurs, donc 12 plus 14 divisé par 2, ça fait 26 divisé par 2 et donc ça fait 13. Voilà, donc là. On a euh, le premier quartile et le troisième quartile, et du coup on peut déterminer l'écart interquartile qui est tout simplement Q3, c'est-à-dire 13, 13 moins Q1 qui est égal à 5, donc 13 moins 5, 13 moins 5 ça fait 8. Donc l'écart interquartile de notre série c'est 8. Voilà, on va faire d'autres exercices de ce genre. Déterminer l'écart intercartile de la série représentée dans le diagramme à points ci-dessous. Donc voilà, c'est le diagramme à points, ce sont les chansons de chaque album de la collection de Shan. Et à chaque fois, on a, on a regardé le nombre de chansons qu'il y avait dans chaque album de la collection de Shan. Donc on obtient ce diagramme à points. Et en fait, c'est une autre manière évidemment de représenter les données, mais on peut faire exactement le même raisonnement que tout à l'heure. Et ce que je peux faire ici, c'est représenter mes données en ligne, comme on avait tout à l'heure. Donc la plus petite, je vais le faire ici, la plus petite c'est le 7 qui est là, j'ai un 7 ici. Ensuite je n'ai pas de 8, par contre j'ai deux 9, un 9 et un deuxième 9, donc je vais mettre 7, 9, 9. Ensuite il y a ces trois 10 ici, donc je vais mettre un 10, un 10 et un 10. Ensuite, il y a un 11. Ensuite, j'ai un 12. Puis un autre 12. Puis un 14. Voilà, donc là, j'ai rangé les données dans l'ordre croissant. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valeurs. Donc la médiane, ça va être, alors, la, médiane, ça va être la moyenne entre les deux valeurs centrales qui sont ces deux-là. La médiane. Et donc, la médiane, c'est 10 plus 10 sur 2, c'est-à-dire 10. Voilà. Alors, maintenant, donc, la médiane, hein, il ne faut pas se tromper, la médiane, c'est une valeur qui est ici. Hein. Voilà, c'est un 10, mais elle est entre ces deux valeurs-là. Et donc, on a coupé notre série en deux parties égales. Il y a cette première partie-là, cinq données qui sont avant la médiane, et ensuite, il y a ces cinq données qui sont après la médiane. Voilà, je vais le faire plutôt en deux couleurs différentes. Alors, cette première partie-là va nous servir pour déterminer le premier quartile Q1. Alors, Q1, c'est la médiane de cette série-là, donc c'est la valeur centrale, donc ça, c'est Q1. Q1, c'est 9. Q1 égale 9. Et puis, pour trouver le troisième quartile, eh bien, on va regarder cette série ici, et on va regarder sa valeur centrale qui est donc celle-ci, le 12, c'est Q3. Q3 est égal à 12. Et donc maintenant, on a tout ce qu'il faut pour calculer l'écart interquartile, qui est donc Q3 moins Q1. Et Q3 moins Q1, c'est donc 12 moins 9. Et ça fait 3. Voilà, donc l'écart interquartile de cette série, c'est 3. Allez, on continue, on va en faire encore un. On va faire celui-ci. Le tableau ci-dessous rassemble les interventions en classe de chaque étudiant dans la classe de Madame Matteuse. Donc on a ce tableau. Alors ici on voit qu'il y a un étudiant qui a fait trois interventions, deux étudiants qui ont fait quatre interventions et ainsi de suite. Donc tu vois que finalement là la, la série est donnée encore d'une autre manière, comme un tableau d'effectifs. Hein. Les données sont rangées par effectifs. Et ce qu'on nous demande c'est la même chose, c'est de déterminer l'écart intercartile de cette série. Alors en fait, je vais utiliser toujours la même méthode, je vais repasser par l'écriture de mes données en ligne. Donc j'ai déjà, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un étudiant qui a fait trois interventions. Donc j'ai d'abord un 3. Ensuite, j'ai deux étudiants qui ont fait quatre interventions, ce qui veut dire que j'ai un 4, quatre interventions pour le premier étudiant de ces deux-là, et puis quatre interventions pour le deuxième. Donc j'ai 3, 4, 4, ça c'est pour ces deux premières lignes. Ensuite, j'ai trois étudiants qui ont fait cinq interventions, donc je vais avoir trois fois la valeur 5. Voilà. Et puis ensuite, j'ai un élève qui a fait six interventions, donc j'ai une fois la valeur 6 et puis une fois la valeur 7 pour cet élève-là qui a fait cette intervention. Voilà. Alors, je me retrouve exactement dans le même cas que tout à l'heure. On va compter combien de données on a en tout. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 données. Ce que tu aurais pu retrouver en additionnant tous les nombres qui sont là. 8 données, c'est-à-dire, du coup, la médiane va être cette valeur-là. Voilà. La moyenne entre ces deux valeurs-là. 5 plus 5, divisé par 2, ça fait 5. Et maintenant, du coup, je vais calculer le premier quartile. Alors, le premier quartile, c'est la médiane de cette série-là. Donc, en fait, c'est la moyenne entre ces deux valeurs-là. Alors la moyenne entre ces deux valeurs-là, c'est la moyenne entre 2, 4, et eh bien c'est forcément 4. Donc Q1 c'est 4. Et puis enfin Q3 c'est la médiane de cette série-là. Donc c'est la moyenne entre ces deux valeurs-là, puisqu'ici aussi on a 4 données. Donc Q3 c'est 5 plus 6 divisé par 2, ce qui fait 11 divisé par 2, 5,5. Et donc, on peut en déduire tout de suite que l'écart interquartile I, eh bien, c'est 5,5 moins 4, ce qui fait 1,5. Voilà.